Pour ceux qui sont intéressés par le business qui je précise, c'est la religion des riches. Tous les riches pratiquent là, cette religion-là, celle du business. Et en business, justement, il y a une équation qu'on appelle l'équation financière. C'est celle-là qui dit que V égale à E plus R. V, c'est votre avenir financier, votre vie. E, c'est les événements et R, c'est la réaction. Je pense que ceux qui suivent Ricardo Kanyama ont connaissance de cette équation-là. Lorsqu'on se lance en business, on a pour objectif de mener notre business à un certain niveau. On a des objectifs en termes de chiffre d'affaires. Toutes les entreprises au monde ont toujours des objectifs, ils ont des prévisions. Donc, c'est le cas lorsque vous allez vous lancer en business. Et c'est très important d'avoir une prévision parce que une entreprise ou un business qui a pour objectif de faire un chiffre d'affaires de 1 million d'euros à la fin de l'année ne se comporte pas comme une entreprise ou comme quelqu'un qui a pour objectif de faire un chiffre d'affaires de 10 millions à la fin de l'année. Sachez que lorsque vous allez vous lancer en business, pour ceux qui sont déjà en business, nous sommes d'avis sur le fait que des fois, il y a des événements qui se passent, notamment il y a eu le coronavirus, qui en fait mettent à mal nos objectifs. Et tous ceux qui se lancent en business savent qu'à un moment donné, on aura des événements heureux ou malheureux, mais surtout malheureux. Maintenant, qu'est-ce qui va déterminer le fait qu'on puisse atteindre nos objectifs ou pas? Ça sera notre réaction par rapport à ces événements-là. Comment est-ce que vous allez vous comporter lorsqu'il y aura un événement malheureux qui va se passer? Parce que chaque événement malheureux est là pour nous donner un enseignement. Et c'est maintenant notre relation, notre rapport à cet enseignement-là, c'est notre réaction par rapport à cet événement-là qui va être le plus déterminant. Parce que comme l'a dit un grand penseur, ce qui vous arrive n'est pas le plus important, mais c'est votre réaction par rapport à ce qui vous arrive qui est le plus important. Donc, sachez que lorsqu'il y a un événement malheureux qui se produit, si vous avez une réaction positive, ce qui va se passer, c'est que l'avenir financier sera positif. Par contre, s'il y a un événement positif et que vous avez une réaction négative, l'avenir sera négatif. C'est pour ça que les riches sont des grands optimistes. Parce que chaque fois qu'il y a un événement, ils essaient toujours de voir le côté positif dans cet événement qui, a priori, semble négatif. Il faut toujours rebondir. C'est très important. Une notion aussi qui est capitale à développer lorsqu'il s'agit de l'intelligence business, c'est la notion entre actif et passif. Il est fort probable que plus de 90% d'entre vous maîtrisez très bien cette notion-là, actif et passif. Actif, c'est un bien qui nous fait perdre de l'argent. Passif, c'est un bien qui nous fait perdre de l'argent, notamment un téléphone. Un actif, c'est un bien qui, quand on l'achète, nous permet de gagner de l'argent, notamment un taxi ou un bien immobilier qu'on met en location. Mais il faut aussi garder en tête qu'un passif peut être transformé en actif, notamment si vous achetez un téléphone et que ce téléphone-là vous permet de gagner de l'argent, ça devient un actif. Donc, le plus important ici, parce que la notion passif-actif, tout le monde connaît plus ou moins ce que c'est, le truc le plus important ici sont les passifs simples et les passifs multiplicateurs. Un passif simple, c'est lorsque vous achetez un produit et que l'argent que vous avez dépensé pour acheter ce produit-là, eh bien, la dépense que vous avez faite s'arrête là et vous ne perdez pas plus d'argent que ça. Je prends un exemple. Lorsque je dépense de l'argent pour m'acheter un téléphone, c'est un passif simple parce que j'ai acheté le téléphone et ça s'arrête là. Par contre, un passif multiplicateur, c'est un produit qui, quand vous l'achetez, eh bien, un an plus tard, 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, 10 ans plus tard, vous vous retrouvez toujours en train de rembourser ce crédit-là. C'est par exemple lorsque vous achetez un bien à la consommation, je vais prendre une télé, il y en a qui achètent des télés sur 6 mois, 7 mois, 8 mois, 10 mois, 1 an même des fois. Il y en a qui achètent des congélateurs sur 1 an aussi des fois. Ça, ce sont des passifs multiplicateurs. Par contre, un actif simple, c'est lorsque, je vais vous prendre quoi? C'est par exemple lorsque vous prenez votre argent et que vous décidez de le conserver sous une forme optimale, par exemple en achetant de l'or. C'est vrai, quand vous achetez de l'or, ce n'est pas un passif, parce que plus tard, ça peut vous rapporter plus d'argent. Mais c'est simple parce que ça ne génère pas de l'argent en continu. C'est un actif simple. Maintenant, un actif multiplicateur, c'est lorsque vous faites un investissement, par exemple, dans un bien immobilier qui va prendre de la valeur avec du temps. Et plus les gens vont venir louer votre maison, plus vous allez gagner de l'argent. Et même les générations à venir pourront capitaliser là-dessus. Donc, c'est bien de faire la distinction entre les deux pour savoir à chaque fois, lorsque vous voulez investir dans un actif, vous posez la question de savoir, est-ce que l'actif dans lequel je veux investir
me permettre de gagner de l'argent sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans. Ou alors, c'est un truc qui me permet de gagner l'argent une seule fois et puis c'est terminé. Ensuite, comme je vous l'ai dit en amont, il ne faut jamais dépenser un actif pour acquérir un passif. Ça, c'est la base. Et puisqu'on parle de business, il faut savoir que les riches ont tous plusieurs sources de revenus. Tous les riches ont plusieurs sources de revenus. Quand on parle de diversifier ses sources de revenus, il ne faut pas non plus diversifier de manière bête. Si vous êtes par exemple dans l'agriculture et qu'à un moment donné, vous voulez diversifier vos sources de revenus, vous n'allez pas commencer à... Vous ne pouvez pas dire que vous êtes dans l'agriculture, après vous investissez directement dans l'immobilier. Non. Dans l'agriculture, il y a des activités qui sont connexes à l'agriculture. Vous pouvez par exemple donner des formations en agriculture. Ça vous permet d'avoir une autre source de revenus dans l'agriculture. Vous pouvez par exemple, on sait que l'agriculture en général, ça marche avec l'élevage. Vous pouvez mettre en place des fermes. Donc, sachez que tous les riches au monde ont plusieurs sources de revenus. Donc, vous aussi, lorsque vous allez vous lancer dans une activité, vous allez vous trouver la question de savoir quel est le truc en parallèle qui est complémentaire, qui me permet de gagner plus d'argent. Et vous allez même vous rendre compte que des fois, vous avez un restaurant et les gens pensent que c'est le restaurant qui vous fait gagner plus d'argent, alors que non, ce n'est pas le restaurant. Ce sont des services en arrière-plan qui vous permettent de gagner plus d'argent. Je vais vous prendre le cas d'Amazon. Amazon qui est l'une des plus grandes marketplaces au monde. Et beaucoup de gens pensent que c'est parce que les gens vendent leurs produits sur Amazon qu'Amazon fait de l'argent, alors que c'est faux. Amazon, ce qui leur permet de gagner beaucoup plus d'argent, ce sont les données qu'ils vendent derrière. C'est le fait qu'ils ont réussi à mettre en place une espèce d'hébergeur qui permet en fait aux entreprises d'avoir un espace où stocker leurs informations. C'est ça qui donne de l'argent à Amazon. Donc, quelqu'un va se lever aujourd'hui, il va dire qu'il a vu Amazon faire. Lui aussi, il va se lancer pour construire Amazon, mais il va faire faillite. Parce qu'il n'a pas compris ce dans quoi Amazon fait exactement du chiffre. Parce que la marge sur les produits qui sont vendus par les différents vendeurs qui sont sur Amazon, elle est très faible pour permettre à Amazon d'être aussi puissant. Donc, dites-vous toujours que vous allez vous lancer un business. OK, qu'est-ce qui va me permettre de gagner de l'argent vraiment? Aujourd'hui, ce que nous on fait aujourd'hui, c'est argent livre. Beaucoup de gens pourraient penser que c'est surtout les livres qu'on vend qui nous font gagner plus d'argent, alors que ce n'est pas ça. Il y a beaucoup d'autres activités qu'on fait derrière qui permettent qu'on puisse rentabiliser. Donc dans votre business, il faut que vous puissiez l'identifier.